الحمد لله وأزكى الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أما بعد, on va essayer, parce que de temps en temps il n'est pas, c'est une bonne chose, au contraire, faire une évaluation, faire le bilan. Parfois on dit l'heure est au bilan, l'heure est à l'évaluation, avec une différence, que l'évaluation chez nous les musulmans c'est une chose qui doit nous accompagner dans tous nos actes. L'évaluation est une chose quotidienne. L'évaluation est une chose qui doit être à côté de nous, en parallèle dans notre itinéraire. Chaque acte que je fais, chaque phrase que je dis, je dois l'évaluer. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Et le bilan, c'est le calcul réel de mes actes, de mes œuvres, de ce que j'ai fait. C'est ça un bilan, c'est un calcul réel. C'est la réalité de ce qu'on a fait. Est-ce qu'on continue avec la même trajectoire? Est-ce qu'on change de trajectoire? Est-ce qu'on la change totalement ou partiellement? Et tout ça, on ne peut décider si on ne fait pas une évaluation et si on ne fait pas un bilan. Alors dans le cadre de l'évaluation et dans le bilan, il faut venir vers l'information, ou plutôt l'enseignement. Un musulman doit toujours évaluer son enseignement. Il doit toujours évaluer ses acquis au niveau de la religion. Et tout en étant vigilant dans les acquis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de structure qui encadre l'enseignement de l'islam, surtout en France ou en Occident. Il n'y en a pas. Tout le monde peut prétendre mufti. Tout le monde peut prétendre imam. Tout le monde peut prétendre qu'il a du savoir. Tout le monde peut prétendre qu'il a des connaissances. Avec la technologie de l'internet, il y en a qui se sont fâchés quand je me suis exprimé. Je dis le maître internet, le maître Google, le cher Google, mais c'est une vérité. Je ne suis pas en train de dénigrer ou de vouloir faire la blague, mais c'est une réalité. Pour certaines personnes, l'internet comme outil est devenu une source d'enseignement. Et c'est là où il y a le danger. C'est un danger imminent. C'est un danger devant lequel il faut qu'on s'arrête et qu'on fait de la réflexion. Est-ce que c'est ça la science de l'islam? Je peux puiser dans l'internet et prendre plein de choses, mais est-ce que la religion, je peux la prendre de l'internet? Et quand je dis la religion, ce qui concerne ma croyance, ce qui concerne ma foi, ce qui concerne ma relation avec les musulmans et les autres, tout cela, est-ce que je suis vraiment à l'abri d'une manipulation? Est-ce que vraiment je suis à l'abri d'un endoctrinement? C'est très important. Parce que le monde virtuel, je ne sais pas de l'autre côté qui, à qui j'ai affaire. Qui est en train de m'enseigner? Qui est en train de me donner des fatwas? Vous savez, il y a des hommes qui se sont forgés des réputations à travers l'internet. Mais beaucoup de jeunes n'en connaissent rien. Ils connaissent cher. Il l'a jamais vu, il l'a jamais rencontré, il lui a jamais parlé. C'est une transmission, on lui transmet, cher il a dit. Alors aujourd'hui, dans ce cadre-là, je vais prendre un hadith qui va nous accompagner. Ça va être une série. C'est le hadith de l'ange Gabriel. Pourquoi ce hadith? Parce que c'est un hadith imminent. C'est un hadith très important. C'est un hadith que pour certains savants, c'est un hadith réputé, mutawatir. Et je vais vous éclaircir vite fait. C'est quoi un hadith mutawatir? C'est un hadith qui a été narré par plusieurs narrateurs parmi les compagnons, pas parmi les tabi'in. Ça, on l'appelle mashhour. Connu. Parmi les compagnons, la chaîne directe, le maillon direct avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les compagnons, plusieurs compagnons ont rapporté ce hadith. Alors dans ce cas-là, on l'appelle hadith mutawatir, à condition que toute la chaîne soit authentique. Et ce hadith, hadith de Jibril, il a été rapporté par Amir al-Mu'minin Omar ibn al-Khattab, par son fils Abdullah ibn Omar, par Anas ibn Malik, par Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, par Abi Dhr al-Ghifari. Voilà, si j'en ai cité que 5. On appelle ça, pour cela, avec différents ajouts et différentes formules. Mais ils tournent tous autour du même sens et la même histoire. La présence de l'ange Gabriel. Comme quoi il s'est présenté. Ils l'ont su qu'à la fin. Donc, prenons le hadith. Le hadith, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, nous rapporte. Un jour, on était assis
chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit chez le prophète ici, il veut dire la mosquée. C'est pas chez lui, son domicile. Autour du prophète, dans la mosquée. Alors un homme rentre, l'habit de couleur blanche éclatante, des cheveux de couleur noire éclatante. On ne voit pas sur lui des traces de voyage. Et personne d'entre nous le connaît ou l'a reconnu. Il a traversé les rangées jusqu'à ce qu'il s'est assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis ses deux mains sur ses cuisses et il lui a dit, Mohammed, informe-moi sur l'islam. Alors le prophète alayhi salatu wassalam alayhi wa sahbihi, il lui répond, l'islam, c'est les deux attestations, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner le ramadan et faire le pèlerinage pour celui qui en a les moyens, la possibilité. Puis il lui dit, parle-moi de la foi. Et lui, il dit, croire en Dieu, croire dans ses anges, croire dans ses livres, croire dans ses prophètes, croire dans le jour dernier et croire aussi dans le destin bien que mal. Puis lui dit, parle-moi de la perfection, ihsan, le perfectionnement. Adorer Dieu comme s'il te voit et si tu ne le vois pas, comme si tu le vois et si tu ne le vois pas, sache que lui, subhanahu wa ta'ala, te voit. Puis lui dit, parle-moi de la fin des temps. Il lui a dit, celui qui pose la question n'en connaît pas plus que celui qui est questionné. C'est-à-dire, ni toi, ni moi, on ne connaît la quand est-ce la fin du monde. Puis lui dit, alors montre-moi, c'est quoi les signes de la fin du monde. Il lui en a parlé, quand la maîtresse va, l'esclave va engendrer son maître, et on va essayer d'expliquer en son temps c'est quoi le sens. Et quand tu vas voir les gens pauvres, dévêtus d'habits, se lancer dans les grattes ciels, les bergers tous là-bas. Tout ça, on y arrivera, Inch'Allah. Voilà en général et en résumé le hadith comment il est. Alors, quelles sont les leçons à tirer? La première des leçons à tirer, d'abord, sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné la facilité de l'expression avec peu d'éléments, c'est ce qu'on appelle la rhétorique, l'élocution, avec peu de termes. Il peut signifier, formuler une phrase qui signifie beaucoup. Comme il dit, le licite est clair et l'illicite est clair. Et entre deux, il y a des préjugés, une zone de préjugés. Comme il dit, sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'malu binniyat, certes, les actions sont considérées par leurs intentions. Comme il dit, sallallahu alayhi wa sallam, pas de mal à faire, pas de mal à subir, la darara wa la dirar. Comme il dit, sallallahu alayhi wa sallam, protège Allah, Allah te protégera. C'est-à-dire, protège la religion d'Allah et tu seras protégé par Allah. Donc, c'est ce qu'on appelle jawami al-kalim. Ce sont des termes courts, mais dont la richesse et les choses à tirer, il y en a, masha'Allah. Ça, c'est jawami al-kalim. Donc, c'est la première des choses. Et le prophète, surtout quand l'ange Gabriel va lui dire, c'est quoi la perfection ou le perfectionnement? Il lui dit, adore Dieu comme si tu ne le vois. Et si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Ça, c'est jawami al-kalim. Deuxième chose qui est très importante. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, c'est un enseignant. Et dans ce hadith, à la fin du hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va dire à Omar, va me chercher l'homme. Quand il est parti, il dit, va, récupère-le, on vient avec. Qu'il revient vers moi. Omar, il est parti, il est revenu, il lui a dit, aucune trace. Il a disparu. Il lui dit, tu sais c'est qui cet homme? Il lui dit, non. Il lui dit, c'est l'ange Gabriel, Allah l'a envoyé pour vous enseigner votre religion. Donc de ce hadith-là, c'est un hadith qui nous enseigne la religion. Il nous l'enseigne. Et malheureusement, je saisis l'occasion pour le dire, et peut-être je vais le répéter dans d'autres séries, aujourd'hui plusieurs frères et plusieurs sœurs, tu lui dis, c'est quoi l'islam? Il te tend un livre, tiens, lis. Il ne va pas te dire, le hadith de l'ange Gabriel, et billah, par Allah, je vous pose la question. C'est quoi le meilleur? La parole des hommes ou la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quand Allah il a voulu nous enseigner l'islam, il nous a envoyé le prophète alayhi salatu wa sallam, le meilleur enseignant. Un jour il est sorti dans la mosquée et il a trouvé plusieurs cercles. Il s'est approché de chaque cercle. Il leur a posé la question. Vous faites quoi? Il y en a, le premier cercle lui a dit, ils lui ont dit, on est en train de faire du dhikr, les invocations. Le deuxième cercle, ils ont dit quelque chose. Et le troisième cercle lui ont dit, on est des gens qui apprennent la religion. On est en train de s'enseigner mutuellement la religion. Il s'est assis avec eux et il leur a dit, Dieu m'a envoyé enseignant. Dieu m'a envoyé enseignant, c'est-à-dire je suis là pour vous enseigner votre religion. Il a préféré le troisième cercle, il a préféré tous les cercles.
Il les a aimés. Mais la préférence totale, elle est revenue au troisième cercle où les sahaba étaient en train d'apprendre la religion. Donc lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un enseignant. Mais ça n'empêche, Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous enseigner plus, il a envoyé l'ange Gabriel pour qu'il y ait un échange question-réponse. Et pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Personne ne connaît. Donc les questions de cet homme étranger à nous, personne d'entre nous ne le connaît, on l'a reconnu. Ça va nous attirer tous. On était attentifs. On regardait tous, c'est qui cet étranger? Qu'est-ce qu'il va dire à notre prophète? Et chaque question qu'il a posée, et le prophète a répondu, lui disait, tu as dit vrai, tu as dit vrai. Jusqu'à ce que Omar ait dit, on était étonnés. Il pose la question et il accrédite le prophète. C'est étonnant. Quand quelqu'un pose la question, c'est pour apprendre. Mais celui-là, il n'est pas là pour apprendre. Il est là pour nous faire apprendre la religion. Et malheureusement, beaucoup de frères et beaucoup de sœurs, et je le dis, je le redirai, je n'hésiterai pas à le répéter. Tu lui dis, c'est quoi l'islam? Il te sort de sa poche, tiens, te lis. Mais tu veux m'enseigner la religion, mon frère, ou tu veux l'enseigner à ton frère, ou à ta sœur, ou entre nous. La meilleure façon d'enseigner la religion, c'est hadith de l'ange Gabriel. Parce que le prophète, à la fin, il a dit, c'est l'ange Gabriel qui est venu vous enseigner votre religion. Mais aujourd'hui, malheureusement, on préfère la parole tirée de l'internet et la parole de certains chiens et la parole de certains livres qui circulent, la perfusion des livres qui circulent, parce qu'il y a toute une machine derrière à faire circuler, endoctriner les jeunes jusqu'à ce qu'on ne connaît pas un mot dans le Coran de la Sunna, mais ces livres-là, on les connaît par cœur. Par cœur. Tu dis à quelqu'un, c'est quoi? Il va te dire ceci, cela. Il va vomir les livres, mais n'est pas capable de réciter un verset coranique ou de réciter un hadith comme le hadith de l'ange Gabriel qu'on est en train de traiter aujourd'hui. Et pourtant, c'est ce hadith qu'il faut apprendre. Parce que ce hadith, il parle de l'islam, il parle de la foi, et comment perfectionner son islam et sa foi. Il parle de ces trois choses-là. Ça, c'est les trois piliers à reconnaître. Et ça, c'est trois fondements à retenir. Et avec les dents. Parce que ce sont des fondements qui ont été enseignés par le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Pas par quelqu'un d'autre qui est venu et qui a innové, il a dit voilà comment comprendre l'islam. On ne peut pas comprendre l'islam qu'à travers la compréhension que le prophète a enseigné aux compagnons. C'est très important. Il faut aller dans cette voie-là. Et c'est pour ça que ce hadith, il y en a qui l'ont considéré, c'est le centre de gravité de toutes les sciences de l'islam. Ce hadith-là. Et alors dans la question, si vous posez la question, si on va voir les spécialistes, on leur pose la question, les spécialistes de l'enseignement aujourd'hui, on va leur dire quelle est la meilleure façon d'enseigner. Ils vont te dire question-réponse. Parce que dans la question, il y a l'interpellation. Et dans la réponse, il y a saisie de la raison et de la mémoire. Parce que quand tu poses question, tu attends un retour. Et ce retour, tu vas prêter oreille et tu vas bien méditer dans le retour et tu vas réfléchir et penser. Et c'est pour cela qu'ils disent, les spécialistes, une des meilleures méthodes, c'est question-réponse. Et c'est pas la méthode endoctrinée, bourrer les crânes, bourrer les esprits, les gonfler. Tiens, lis et vomis. Ça, c'est de l'endoctrinement. C'est pas de l'apprentissage. Et l'islam ne s'apprend pas comme ça. L'islam s'apprend par le contact direct. Regardez l'ange Gabriel, comment il est venu. Cuisse contre cuisse, ou plutôt genou contre genou. Et il a posé ses mains. C'est le contact direct. Et vous pouvez retourner auprès de la Sunna. Et vous allez voir que le contact est très très important. Et que l'islam c'est une religion de science. Vous savez, une fois dans le récit d'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, il leur a dit, un des élèves de Satan, il dit à Satan, pourquoi tu as peur d'un savant et tu n'as pas peur d'un adorateur? Il lui dit, viens, je vais te montrer le rôle d'un savant et le rôle d'une personne qui parle comme ça dans le vide, sans savoir. Alors il le ramène dans un cercle. Satan ramène son petit dans un cercle. Il lui dit, écoute, celui-là, je vais le faire rentrer au paradis, mais créance directe. Alors un grand chir, il est en train de parler du dhikr, du paradis. Et il lui dit, chir, tu me permets? Ça, c'est le diable. Tu me permets? Il dit, oui. J'ai une question. Est-ce que l'univers là, Dieu peut le mettre, rassembler tout l'univers dans le creux d'un œuf? Le chir le regarde, lui, t'es malade toi? Qui peut faire ça? Alors Satan regarde son petit, lui dit, tu vois, c'est l'enfer pour lui. Vous savez pourquoi c'est l'enfer?
il a réduit le potentiel d'Allah. Nous, on connaît dans la foi, Allah est omni, pourtant Allah est capable de tout. Il n'y a pas d'impossible pour Allah, ça n'existe pas. L'omnipotent. Il lui dit, viens, je vais te ramener un savon, comment il va me répondre? Il l'a ramené chez un savon. Et à la fin, il lui dit, chir, je peux te poser une question? Il lui a dit, vas-y. Il lui a dit, ce que Allah peut rassembler l'univers entier dans le creux d'un œuf? Le savon le regarde, oui, et moins que le creux d'un œuf. Allah est omnipotent, il fait ce qu'il peut. Soit ainsi soit-il. Il lui dit à son élève, tu vois la différence entre les deux. Celui-là, sa réponse lui a valé l'enfer, et celui-là, sa réponse lui a valé le paradis. Une réponse. Et ça, c'est, même dans le mal, la question est directe et au contact. On ne pose pas des questions comme ça par Internet, un monde virtuel. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Et il faut savoir une chose, c'est très important. Le mufti, ou celui qui va donner la fatwa, ou celui qui va t'enseigner ta religion, il doit avoir un vue sur l'ensemble des éléments avant de donner la fatwa. Je vous donne des exemples. Abdullah ibn Abbas, un jour, il était en train de prier. Une prière surrogatoire. Un homme rentre dans la mosquée. Il trouve des gens assis. Il leur dit, voilà, j'ai un problème. Ils lui ont dit, c'est quoi ton problème? Il leur a dit, quand j'ai uriné, il y a la semence d'homme qui est sortie de moi. Est-ce que je suis en état d'impureté majeure, genou? Ils lui ont tous dit oui. Il y a cette matière qui est sortie? Oui, tu es genou. Abdullah ibn Abbas, il a fait vite dans sa prière, dans ses rakats. Vite fait, il a entendu la réponse, il n'a pas apprécié. Puis il dit au monsieur, reviens. Quand tu as fait tes besoins, et celui qui dit il est sorti, ce qui arrive à beaucoup de jeunes, la question qu'on pose beaucoup de jeunes, parce qu'ils sont jeunes, il y a un débordement, il y a des choses qui peuvent arriver, et comme on dit, il va, on va dire, c'est un stockage qui a débordé à travers les urines. Alors regardez l'élément essentiel qu'Abdullah ibn Abbas va vers pour poser la question. Il lui a dit, quand ce liquide est sorti de toi, est-ce que tu as senti des frissons et du plaisir à sa sortie? Il lui a dit, non, rien. Il lui a dit, il ne te suffit que de te relaver l'endroit intime et refaire tes petites ablutions. Un élément, il a tout changé, la fatwa. Un élément simple. Les premiers qui ont répondu, que des compagnons tabi'in, lui ont dit, ah, c'est la semence lourde là de l'homme, oui. Refais tes grandes ablutions, t'es en état d'impureté. Mais, al-fahm, Allah le donne à celui qui le veut. Est-ce que lui, ce liquide, il est sorti par un plaisir que t'as provoqué? Est-ce que t'as sorti des tremblements? Et t'as senti des tremblements que cette matière, elle est sortie? Il lui a dit, non, rien du tout. C'est sorti comme cela. Il lui a dit, tu ne refais que tes petites ablutions. C'est un élément pour vous dire, voilà comment ça se passe, la fatwa et l'enseignement de la religion. Et c'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ange Gabriel pour un plus dans l'enseignement. Le prophète, c'est le meilleur des enseignants, et l'ange Gabriel, il est venu pour faire cet échange. Question, réponse, question, réponse, pour qu'on apprenne notre religion. C'est comme ça qu'on apprend la religion. On l'apprend par question, réponse, et le contact direct. Même Satan, quand il a voulu montrer à son élève, il était en contact direct avec Shir. Et lui a posé la question. Et il faut savoir aussi, c'est très important quand j'ai parlé des variables, des éléments. Un mufti ne peut pas te donner la fatwa de contexte d'une société s'il ne vit pas parmi la société. Mais malheureusement, il y en a qui se déconnectent de la société, de la réalité de la société. Ils veulent vivre dans le virtuel. Ils veulent vivre sur d'autres dimensions. Ils sont ici, physiquement, mais leur esprit, leur corps, leur désir, et permettez-moi, leur fantasme, il est ailleurs. Il est ailleurs, et la preuve, je les vois dans leur façon de s'habiller. Ils renient l'identité de leur façon d'habiller. Moi, ce que j'aime, si je vois par exemple un Marocain, j'aime bien voir un Marocain marié avec habillé avec une djellaba. Si je vois un Algérien, j'aimerais bien voir un jeune Algérien marié avec la culture algérienne. La même chose pour un Tunisien, la même chose pour un Libyen. Ce sont nos origines. Mais quand on voit des jeunes nés en France, d'origine maghrébine, s'habiller comme des gens de Moyen-Orient, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Allez-y chez eux. C'est mieux. Vivre leur culture, vivre leur tradition, habillez-vous comme eux. Vous êtes déconnectés. Au moins, un maghrébin, moi aussi je suis maghrébin. Et parfois, j'ai les boules de voir des jeunes du Maghreb renier la tradition de leurs ancêtres au niveau des habits pour mettre
des habits qui viennent du Moyen-Orient. Et on dirait que le Moyen-Orient est devenu une référence de la religion. Jamais de la vie. Le Maghreb a eu ses savants. L'islam en Andalousie, c'est grâce au Maghreb. C'est pas grâce aux gens du Moyen-Orient. Et là, le contact avec la société, c'est très important. Si Youssef Moutachine, Al-Murabiti, qui a prolongé l'âge de l'islam en Andalousie pendant 2 siècles, et c'est un maghrébin, il est parti de Marrakech. Il n'est pas venu de Jeddah ou de Riyad. Il est venu de Marrakech. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu de Mecca et de Médine. Oh, je ne remets pas ça en question. Mais quand il s'agit des hommes, homme à homme, nous aussi on a nos traditions. Nous aussi on a nos savants. Nous aussi on a notre culture qui émane de l'islam. Et ça, on ne peut l'avoir qu'avec un contact avec nos savants de l'islam. Parce que parfois, quand je vois des jeunes comment se comporter, on dirait que le Maghreb, c'est des nuls, c'est des jahils. Pas du tout. Parce qu'on ne connaît pas c'est quoi le Maghreb. Et on ne connaît pas la civilisation du Maghreb. Et on ne connaît pas les valeurs que le Maghreb. Quand je dis le Maghreb, je ne dis pas le Maroc. Le Maghreb. Je suis très clair. Le Maghreb, le grand Maghreb musulman. Il en a contribué dans la religion musulmane, si ce n'est que l'Andalousie. Mais malheureusement, on a perdu ce contact le direct avec... Mais et c'est ça ce qui m'interpelle. Là, je vois qu'il y a parmi nous des Français. On va leur dire, ouais, ces Français-là. Moi, j'aimerais bien que ceux qui se convertissent à l'islam préservent leur identité, leur culture française, et qu'ils l'ajustent, et qu'ils la marient avec l'islam. Maintenant, on prend un Français, on lui fait les habits du Moyen-Orient. On lui dit, voilà, ça c'est l'islam, il faut s'habiller comme ça. Non, c'est faux. Et c'est archi faux. L'islam, c'est une religion de règles. Et sinon, et ce n'est pas une religion de forme. L'islam, il travaille le fond. Et quand on veut apprendre la religion, on l'apprend dans le fond. Et pendant la forme. La forme se marie avec le fond. Pas de fond, pas de forme. Pas de forme, pas de fond. Les deux vont ensemble. Et ça, c'est la religion. Et Allah, il a envoyé l'ange Gabriel pour nous enseigner cela. Nous enseigner cela. Nous enseigner que la religion, ça s'apprend par question-réponse. Et non, ça s'apprend comme ça. Je suis là devant l'écran. Vous savez, on dirait, c'est une analyse personnelle, j'assume la responsabilité. S'il y a un ensemble de personnes qui n'aiment pas l'encadrement, et dans l'Internet, c'est ça le grand problème. Je fais ce que je veux. Je n'ai personne qui m'encadre. L'islam, c'est un encadrement. L'islam, il te dit, voilà le halal et voilà le haram. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Le respect de soi, de son voisin. Mais à travers l'Internet, toutes ces frontières sont cassées et l'encadrement, il est fini. Et c'est une façon de faire la rébellion. Je ne reconnais pas telle personne, je ne reconnais pas telle personne, je ne reconnais pas. Et je fais la rébellion et je me démarque de la société avec une nouvelle identité. C'est une façon d'exprimer comme quoi j'exclus, je suis en train de refouler ma société et mon identité. À travers, bien sûr, une couverture qu'on appelle la religion. Et c'est faux. La religion, tu dois t'asseoir comme il a fait Jibril avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'on apprend la religion. Il faut s'asseoir avec les imams, il faut s'asseoir avec les savants, il faut s'asseoir avec les gens. Si ce n'est que pour ce qu'on peut... On ne prétend pas être des savants. Hacha ma'adallah. Mais ça reste qu'on est des imams. Et on connaît mieux la société ici. On connaît qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui va avec cette société, qu'est-ce qui ne va pas. Alors il ne faut pas hésiter à interpeller les imams, à interpeller les mosquées de la cité, de la ville où je suis. Je pose la question. Il ne faut que je déborde ailleurs une fois que je n'ai rien trouvé ici. Je ne vais marchander ailleurs qu'une fois que je ne trouve pas dans mon marché local ma marchandise. C'est là où je vais ailleurs. Et alhamdoulilah, on peut répondre à tout. Ce qui est dans notre bien, et ce qui gère notre intérêt, on peut répondre, alhamdoulilah. On a les chirs, on a les savants, nous aussi on les consulte. Et c'est ça ce qui peut faire et la première démarche envers l'enseignement de l'islam. Apprendre à s'asseoir dans les mosquées, apprendre à s'asseoir avec nos frères et nos sœurs dans les mosquées, apprendre à faire partie de cette société et poser des questions. Vivre à la marge, cela n'a qu'une seule explication. Je ne veux pas faire l'élève, et je veux faire le maître. Et c'est la réalité. Ces frères qui vont puiser dans l'internet, ils veulent faire les maîtres, les muftis. Les muftis.
Et c'est facile pour eux. Il devient le haut-parleur de l'Internet. Il parle à des jeunes, lui dit, tiens, lis. Tel chéri, il a dit. Et l'imam, ah, lui, il est sur rien, je dis. C'est dit. La France, il n'a pas de savon, il n'y a rien. Eux, c'est nul. Mais lui, c'est bien. Vous voyez? Le paradoxe et la contradiction flagrante. Lui, c'est une référence. Mais les imams dans les mosquées ne sont pas une référence. Donc lui, il est au-delà des imams et il est mieux que les imams. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد سالما من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقين ولا محروما اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واخذ حوائجنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بخير فوفقه وأعنه ومن أرادنا وأراد الإسلام بسوء فاجعل دائرة السوء عليه اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذك من شرورهم اللهم يكافئك فينا بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت اللهم يكافئك فينا بما شئت وما تشئت وكيف ما شئت اللهم كافئك فينا بما شئت وما تشئت وكيف ما شئت اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بالصحة والعافية اللهم متعنا بالصحة والعافية اللهم متعنا بالصحة والعافية اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الآباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات إنك سميع مجيب الدعوات ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ونستعيذ بك مما استعاد منه نبيك نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه مجموعة من الأدعية أبدأها بدعاء لسيدة أن يصلح الله أولادها وأن يرزق لبناتها الأزواج الصالحين وأن يرزق لأبنائها الزوجات الصالحات اللهم اصلح أبنائها وبناتها اللهم اهديهم إلى صراطك المستقيم واهديهم إلى سنة نبيك الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ودعاء لشاب تصدق في الجمعة الماضية بعد الصلاة أعطاني واحد الظرف فيه 480 أورو فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منه وجعله في المشروع أعطاه لي وقليل المشروع فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته وأن يكثر من أمثال هذا الشاب نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعه بهذه الصدقة ويجعل له حصنا من كل سوء يا أرحم الراحم يا رب العالمين ودعاء كذلك لأخ بالشفاء اللهم رب الناس ذي بالبأس يشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وأخ آخر عنده عملية جراحية فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف به وينجح عمليته وتكون له صحة وعافية أرحم الراحمين يا رب العالمين ودعاء من أب لابنه بالتوفيق في الدراسة اللهم يسر عليه دراسته ووفقه لما تحب وترضاه واجعله شابا ناجحا موفقا إن شاء الله اللهم نجحه في الامتحانات ونجح أبناء وبنات المسلمين أجمعين وكذلك دعاء pour un frère dans un concours dans une école qu'Allah lui facilite son concours سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله بعد صلاة الجمعة عندنا شابين يعتنق الإسلام وشابة إن شاء الله